Bonjour, monsieur Lucien, j'espère que vous allez bien, moi très bien. On est là pour s'ouvrir la toute dernière case du calendrier de l'Avent. C'est trop triste, c'est déjà la fin de ces cases ouvertes, mais c'est fatigant de les ouvrir tous les jours. Voilà, et du coup, on va s'ouvrir ça. Et j'ai envie, parce que je l'ai laissé comme ça, je l'avais pas remis. Voilà, du coup on va prendre celui-là tout de suite, la case 24, je ne la vois pas, vous l'avez vu, je pense que la case 24 elle est juste ici, une grande case, je chope, ça a l'air petit, ça a l'air de bouger, la pub, c'est quoi, oh. C'est pour du mascara, c'est ça. Mascara, volume, longueur et courbe. Volume, légère. Voilà. Il est beau le packaging. Et on va quand même regarder la brosse. J'ai mon chat qui est là. C'est une brosse comme ceci. Ça va. Ils sont bons aussi, ce. On essayera ça ce soir. Voilà. Il faudra que je retire l'étiquette. Je sais pas si c'est capable de le retirer ou pas. Et du coup, il a marqué quoi? Là, c'est pas en français. À chaque fois, je me fais avoir. Volume, extrême, courbe et longueur pour garder. Métamorphologie. Voilà. Pour la case 24. Hop. Je ne sais plus. Celui-là, il est fini. On peut le lancer. Du coup, je chope les Pokémon. La dernière, c'est celle-ci. On va l'ouvrir tout de suite. Qui je sais plus le nom, mais je vois ce que je veux dire. Il veut pas sortir du nom, c'est, je ne sais pas le sortir le nom, mais je sais, je le connais, c'est Carapuce. Après, à qui? C'est l'évolution. Oh, c'est Tortank. Voilà, Tortank. Aussi bien de me dire. La quatrième case de l'autre. Ça mange en rouge. J'ai l'impression qu'il est cassé. C'est qui ça? Lui non plus. Aucune idée. Un machin rouge. J'en apprendrai plus cette année prochaine. Ils sont nuls. Herche nul. Voilà. Après, on va commencer avec les plus beaux quand même. Allez. C'est parti pour la dernière case du Harry Potter. Le shop. Oui, c'est ça. C'est Harry Potter. Avec un cadeau en main. Voilà. Il est plus ou moins chouette. Avec ses lunettes refaites. Je sais pas si vous avez vu la part de papier collant sur ses lunettes. Ouais, bon, il y a mieux pour regarder le Disney pour la fin. J'ai trop envie de savoir. Le 24, le Jack. Le petit Jack. Un petit machin comme ça, là. C'est un petit machin et un gros plastique. Et après, on nous dit qu'on peut le mettre de plastique. Je triche. J'ai reconnu.
C'est Jack en citrouille. Voilà, c'est fait pas Noël, mais pourquoi pas. De Halloween, mais on va rien dire. Voilà notre petit Jack du jour. Et pour le dernier, Mickey, qui on va voir dans cette case merveilleuse du 24. En plus, avec une tête de Mickey, je le rabats là, c'est chiant. Je sors le petit sachet qui on pourrait avoir le 24. C'est pas le même sachet que les autres fois. Par contre, je vois pas. J'ai voulu tricher, mais. Une oreille. Oh! C'est Mickey, on s'en doutait. C'est Mickey là. C'est le même Mickey. Voilà, c'était à se douter. Voilà, c'est le Mickey de la boîte. Mais il est très beau. Il ira avec tous les personnages qu'on a eu en Noël. Donc voilà. Il est trop chouette. Voilà. Un peu triste que c'est la fin de ces calendriers de l'Avent, mais on y est. On va être un peu libéré. Moi, triste parce que je ne verrai plus les calendriers des autres. Ça va me manquer. Sur ce, moi, je vous souhaite de passer une bonne fête de Noël. Mangez bien, buvez pas trop. Faites attention sur le trajet, si vous avez du trajet. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, un joyeux Noël, et on se retrouvera après Noël. Voilà, je vous fais des gros bisous, on se retrouve après Noël, et bonne fête de Noël. Je vous fais des gros bisous.